Et non, et attendez, attendez, attendez. Et le plus grave, la pire note. Alors, attends, pour Maxime Guéniche, ne dis rien parce que tu vas prendre une. Là, tu vas prendre une grosse déception dans la vie. Il est en train de donner des notes au chroniqueur de TMP. C'est 2 sur 10. Et c'est Kelly qui te l'a donné. Non. C'est Kelly qui t'a mis la pire note avec 2 sur 10. Mais le pensais pas. Parce que je savais qu'il allait se mettre une bonne note. Non, 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 mais n'essayez pas de vous justifier. Ah s'il vous plaît, le mal est fait, la personne est mal, là, c'est terminé. Je suis blessé. Non, mais les gens. Attention. Oui, mais je dis, attention, Kelly. Kelly. C'est donné. Une note de 6 sur 10. Ouais. Ah, ouais, modeste. C'est honnête. 6 sur 10. Est-ce que vous pensez que vous avez plus ou moins? Il a bien fait de revenir. C'est honnête. Est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins? C'est plus. Ouais, c'est plus. Plus. Oui. Excusez-moi, j'aimerais que ce soit plus. Moi aussi, j'aimerais gagner plus. Les meufs qui sont belles. Peggy la cautionne. Arrose-toi pas, Peggy la cautionne. Votre meilleure note. Vous avez eu un 10 sur 10. Mais non. Ouais, c'est Jean-Michel Maire qui vous l'a mis. Ah, bah évidemment. 10 sur 10. Mais j'en sais la personne. Quoi, 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 tu m'étonnes. Quoi? T'as vu, je t'avais mis 10. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a perdu? Il m'a envoyé un texto, t'as vu, je t'avais mis 10, tu fais quoi? C'est vrai, mais il a tellement raison. Il a tellement raison. Il m'a jamais dragué, j'en ai. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a des lois. Ça, c'est quoi? Bon, je vais mettre ta meute. Moi, je vais mettre 3 sur 10 à Peggy la costume. Votre pire note, c'est 4 sur 10. C'est Gilles Verdès qui vous l'a. Gilles, t'as de la merde. Personne ici ne mérite plus de 4, regardons-nous. Regardez-vous. Ah bah justement, Gilles Verdez, je vous le dis. Et ma moyenne? Ah oui, votre moyenne, c'est vrai. Vous savez, 8,3. Oh 8,3 pour Peggy la cautionne. Ah ouais, ça va pas, non? Ouais, je pense que ça va être la meilleure moyenne, ça. Hein. Et même plus, ça. Alors, non. Oh bah, non, ah, peut-être même plus. Alors, attention, Gilles Verdez. Voilà. Vous vous êtes moi, mis. Je vais mettre 3 sur 10 à Peggy la cochonne de Témy. On va d'abord voir. Qu'est-ce qu'il la a note donnée par les autres. Grosse, ma les autres vous la ont mis. Cochonne. Et franchement, c'est ouf parce que. Le je maquillé comme je sais pas quoi, la Peggy la cochonne. Oui, oui, je suis surpris. Je suis surpris parce que moi, votre note, elle est supérieure à celle de Nolo. Supérieure à celle de Jean-Michel. Ah oui, une erreur alors. Non, vous êtes à 4,9 sur 10. Non, la moyenne. Vous vous êtes noté physiquement, vous êtes mis 1. Ah oui, un prestigieux 1. Ça ne mérite pas plus. Ah, il est lucide. Votre meilleure note, c'est Géraldine Maillet qui voilà, vous l'a mis 8 sur 10. Il a un côté lord anglais ouais, décadent. C'est belle, ah ouais, belle. Ouais, mais Géraldine. Je sais pas, moi, je trouve qu'il a beaucoup comme de charme. Ouais, moi, je dans un film d'époque. Oh, ouais, mais d'accord, peut-être. Et la pire note, c'est quelqu'un qui vous a mis 0. Oh, il y a quelqu'un qui a dit vraiment, pour moi, c'est 0, ça ne vaut pas plus. C'est Jean-Michel Maire. Elle est pas en dessous. Non, mais vraiment. Alors, attention, on va passer à Isa. Quoi, attention. Vous êtes sûr? Attention. Isa. Oh, ça commence bien. Oui, Isa. On pouvait enlever. Isa, combien vous êtes donné? Moi, je me suis mis 4,5. Elle s'est mis 4,5 sur 10. Bah, c'est la cataracte, ça. Si j'avais mis l'intérieur.